partie grand public, elle s'arrête vraiment ici. Donc tout le tour qu'on a fait, c'est galerie grand public, donc c'est pour les personnes, elles peuvent aller chercher un verre, elles peuvent aller chercher à manger, elles peuvent aller dans leur gradin. Et là, du coup, on va passer dans la dernière zone orga dont je vous parlais, qui est le salon de presse. On met à disposition de l'orga, qui peut permettre de vous faire un petit espace pour vos proches, pour qu'ils suivent de côté le concert. Et après, on va aller voir la zone VIP. Merci. Ça, c'est mis à disposition de l'organisateur également. Il y a une trentaine de personnes à part par l'année qui sont correspondantes. Et donc, en fait, voilà, la seule question, ça dépendra si vous bâchez ou pas le côté de votre scène. Mais ça peut être un espace assez intéressant où il y a quand même pas mal de place, plutôt bien placé s'il n'y a pas le bâche. Et du coup, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez ici. Vous pouvez mettre, si vous voulez, par exemple, un peu à boire, un peu à manger. Ça peut faire office de loge, justement. C'est ça dont je te parlais, tu vois. Là, tu peux l'adapter un peu comme tu veux. Tu peux mettre un peu à boire, un peu à manger. Et tu as toutes ces places-là qui correspondent. Tout dépend si tu as laissé des armes. Zéro d'argent. Pour les personnes qui sont en VIP. Là, en gros, s'il y a volonté, on peut le séparer en deux. Donc, en gros, tu vois là les poteaux qu'il y a. Il y a une cloison qui vient ici pour séparer le grand du moyen. Et toutes les 300 places correspondantes, elles sont vraiment devant ici. On peut ouvrir, je sais pas. Je veux juste. Non, je regarde là. Je suis là.
Ça c'est l'endroit qui est chouette, hein, et on va séparer. Ça c'est pour les gens qui sont là. Ah non, ils sont On est bon, mon frère. On attend juste comme ça, Karim. Ouais, parce qu'il faut qu'il voit ça. Ouais. Et après, on sera tout bon. Et je vois qu'il est là. Voilà, pour la main, que soyez en voyant. Moi, c'est grave. Moi, je suis plus dedans. Comme ça permet de voir un peu le lieu. Ça vous plaît? C'est chouette. Moi, c'est ça qui m'a fait plaisir. Ça va pas. Ce qui est chouette, contrairement à l'Accord Arena, c'est que l'Accord Arena, les salons, ils n'ont pas la vue sur la scène. Ce qui est chouette ici, c'est que tu peux continuer à voir son verre, à manger, tu vas un peu sur la terrasse, tu regardes le concert, et puis tu es toujours là. C'est en fonction des zones et en fonction de tout ça.